30. Wow. Ouais, c'est parti. Ah, j'ai bien séché, je suis choqué. De ouf. Alors qu'est-ce qui se passerait si je ne me regarderais plus dans le miroir pendant 28 jours? Je suis actuellement au début du confinement en train de faire une transformation physique. D'ailleurs cette vidéo va bientôt arriver sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche des notifications pour être notifié et ne pas rater cette vidéo de ma transformation physique. J'ai déjà fait une transformation physique sur ma chaîne, d'ailleurs tu peux aller la voir ici, ok? Et honnêtement, quand tu fais une transformation physique, vous le savez, on le sait tous, on se regarde tout le temps dans le miroir, parce qu'on veut voir s'il y a des évolutions. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que, oh putain, tu commences à le voir? Moi je sais que personnellement, au bout des deux premières semaines, je commence à avoir une grosse évolution. Le ventre qui a vachement dégonflé et je commence à ravoir les abdos, ok? Mais là, je me suis dit, si je regardais pas mon corps, mon physique, pendant ces 28 jours de transformation, et bien à la fin, je serais choqué en fait. Parce que souvent, quand vous voyez une personne dans la même famille que vous, et bien vous voyez pas la transformation. Des fois, vous dites, j'ai perdu 5 kilos. Et vous, vous dites, ah ouais, ça se voit, mais au fond de vous, ça se voit pas tellement. Parce que cette personne, à force de la voir tous les jours et de voir comment elle est, bah vous voyez pas trop la transformation. Quand j'irai à la douche, je me mettrai dos au miroir. Quand je me brosserai les dents, je garderai mon t-shirt. Quand je mettrai mes lentilles ou les choses comme ça pour me brosser les cheveux ou quoi, ou sécher les cheveux, j'aurai mon t-shirt, ok? Donc vous allez me suivre pendant ces 28 jours. Et non, t'inquiète, t'as pas besoin d'appuyer là parce que tu veux passer pour voir un peu la suite. Tu verras, ça va être sous forme de vlog, ça va être intéressant. On va pas que faire des vidéos en mode oh, j'en ai marre, j'ai envie de voir mon physique ou quoi. Donc là, tout à l'heure, j'étais devant le miroir. Et du coup, je me suis filmé et je me suis regardé pour la dernière fois avant d'attendre ces 28 jours. Mais je suis prêt pour ce challenge, j'ai envie de le faire, c'est la première fois de ma vie que je vais le faire. C'est comme si je te disais que tu devais construire une maison du début à la fin et que dès le début, tu devais construire la maison de l'intérieur, tout ça, faire tout propre et tout ça, mais t'avais pas le droit de voir l'extérieur avant la fin de la maison. C'est vrai que c'est un peu frustrant, vous trouvez pas? Donc c'est parti, place à ce challenge, ne pas me regarder dans le miroir pendant 28 jours, let's go. Bon bah écoutez, là je vais me doucher, donc encore une fois, très compliqué de pas pouvoir regarder dans le miroir. Parce que c'est habituel de faire ça et regarder un peu, tu vois. Donc en gros, maintenant, je dois enlever mon t-shirt comme ça. Je dois me mettre dos au miroir, en fait. Bon, là, vous voyez mon physique, c'est la dernière fois que je vous le montre. Parce que du coup, j'ai envie de vous laisser quand même la surprise à la fin de ma transformation. Donc on verra ça directement à la fin. Donc comme moi, vous n'allez pas le voir jusqu'à la fin. Ok? Allez, on va à la douche. Sans regarder dans le miroir, c'est très compliqué. Mais en vrai, je pense que si vous aimez bien cette vidéo, j'essaierai de le faire sans regarder mon visage. Ça peut être compliqué avec les tournages de vidéos, avec les retours caméra ou tout ça. Mais on essaiera si jamais vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, bref, à demain la team. Ciao. Bon, je viens de finir la séance numéro 1. J'ai envie de vomir, je suis pas bien. Voilà, voilà. Je vous jure, vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment dur de pas se regarder dans le miroir. Là, je suis passé dans le miroir, et encore une fois, j'avais envie de regarder un peu mon physique. C'est juste, j'ai juste envie, tu vois, juste de faire un petit check-up, mais je peux pas le faire. Vous savez quoi, je vais fermer les yeux et vous allez voir. Voilà. Bon, vous voyez, je suis quand même gras. Hein. C'est, franchement, c'est dur. En plus, chez moi, il y a des miroirs de partout, donc c'est hyper dur. Ok, bon là je vais aller chercher les harmonicas du coup pour faire la vidéo ce soir avec ma soeur. En gros, le but c'est vraiment genre on a les harmonicas dans la bouche. Et du coup quand on rigole ça va faire de la musique, c'est grave stylé. Et du coup bah j'ai envie d'aller acheter ça, j'avais vu ça sur YouTube. Mastu l'avait fait avec un de ses potes et j'ai adoré le concept. Et du coup bah là je vais aller acheter ça, ça va être débarque. Bref, du coup vous connaissez les confinements, du coup faut que je fasse la petite feuille d'autorisation de sortie. A few moments later. Faut que je vous raconte. Sauf qu'à la caisse. Bip, 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 bip. Ah non, les jouets vous avez pas droit. Est-ce que ça c'est de première nécessité? De faire des pétards, jouer de l'harmonica et jouer avec son clébar? Non. Ah, il est content de jouer au petit jouet. Évacher. Oui, joue avec mon jouet. Ramène, ramène, allez. Wow, il ne pas l'attraper. Oh non, c'est quoi ces chiens? Je suis déçu de mes chiens là. Moi, vous me connaissez, je suis un enfant, j'ai envie de le tester maintenant. Pour voir si. Je me rappelle plus ce que ça fait, vous vous souvenez ou pas ce que ça fait? Je me rappelle, ça sentait tellement bon quand ça explosait à chaque fois. Et là, normalement... Wouah, mais ça fait un bruit de ouf! Oh, mais ça va être énervé pour tout à l'heure! Je vais arriver comme ça pendant l'intro, je vais faire... Bon, est-ce que t'es prêt à perdre l'argent aujourd'hui? Comment j'ai envie de me regarder dans le miroir? Je transpire. J'ai envie de voir à quoi ressemble ma transformation d'une semaine. Oh putain, vite, j'y vais. À tout à l'heure. Bon, je dois vous avouer que normalement je devais pas me peser pendant ma transformation ainsi que de pas mourir dans le miroir. Mais là j'ai craqué parce que j'étais au bout, je sais pas, j'étais démotivé, j'avais l'impression que je faisais de la merde et que ma transformation était en train de faire n'importe quoi, j'étais en train de stagner. Et au final, bah, je suis content parce que j'ai perdu 5 kilos déjà en 2 semaines. Mais j'avoue que j'aurais préféré garder la surprise à la fin.
Ok, bon là écoutez, je vais voir un pote, on est pendant le confinement. Je vais voir un pote pour m'entraîner avec lui parce que là j'en peux plus d'être enfermé chez moi, je joue dans mon studio, j'en peux plus. Alors mon imprimante ne voulait pas imprimer, du coup voilà mon attestation. Franchement vous allez rire. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai vraiment écrit en mode, j'ai écrit sur mon téléphone. Donc on verra bien si ça passe ou pas, j'espère. Bon allez, let's go. Eh, son miroir il est incroyable avec la lumière, j'ai trop envie de voir mon physique actuel mais vas-y je peux pas, j'ai pas le droit. C'est un miroir friche ça. Franchement de ouf. T'as bug la dernière fois quand j'étais, je vais vous mettre une petite photo là, j'étais gras et on dirait que j'étais sec. C'est abusé, c'est de l'arnaque totale gros. L'arnaqueur. Bon ça y est, la séance est terminée, honnêtement je me suis pas donné à fond. Niveau muscu ça m'a un peu, là je sens que ma sèche me vraiment me fatigue de ouf. Et donc du coup je pense pas m'entraîner faire wolf aujourd'hui, je suis mort. Peut-être je le ferai ce soir avec ma soeur, on verra. Mais en tout cas là je suis KO, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et manger de ouf. Donc on rentre à la Casbah. Let's go. Je suis toujours pas coiffé hein, donc la coupe de cheveux on laisse tomber. Je bois de l'eau, je fais que ça, boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de lever le t-shirt et de me peser. J'ai qu'une envie, c'est de faire ça, là, je viens de rentrer de Grenoble. Demain le cheat meal, et demain, voir la transformation finale avec la pesée. J'ai hâte de voir le résultat. Oui, je viens de pisser, c'est pour ça qu'on entend la chasse d'eau. Et alors? Enfin, demain, je vais avoir ce putain de résultat, de voir qu'est-ce que ça a donné. Parce que je me suis pas pesé pendant... Bon, pas 28 jours, je vais pas vous mentir. À la moitié de la transformation, vous avez vu, je me suis pesé. Donc, j'avais perdu 5 kilos. Est-ce que j'ai encore perdu? Est-ce que... Voilà, on va voir ça ensemble. Et surtout, le physique. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, j'ai senti une évolution d'un coup, là. Cette dernière semaine là, la dernière semaine j'ai senti une évolution d'un coup, je me suis affiné au niveau de la taille. Alors bien sûr on va me dire, mais t'as pas envie de te regarder. Vous savez des fois j'ai des petits coups d'œil comme ça. Bref, on verra demain, en tout cas j'ai grave hâte, mais d'un côté je stresse d'être déçu. Parce que je peux être déçu, hein. Je peux m'attendre à un truc de ouf alors que je trouve que je vais être de la merde. On verra bien en tout cas, et let's go, à demain la team. On va tes couilles hein. Ah ouais. Bon la team, nous sommes actuellement au 28ème jour de ma transformation, ok. Actuellement là ça fait, je sais même pas combien de temps j'ai pas bu, parce qu'hier j'ai fait une petite connerie sans faire exprès. Mais bref, pas bu, aujourd'hui j'ai pas mangé de la journée. Là il est 15h et quelques je crois, mais bon je me suis levé un peu tard. Parce que justement j'ai fait exprès rester dans mon lit parce que je voulais pas tourner en rond en me disant putain j'ai faim, je peux pas manger. Bref, là ce qu'on va faire, on va se peser, ok. Donc là, ça fait 28 jours que je me suis pas regardé dans le miroir ni pesé. Enfin, vous avez vu à la moitié de la transformation, je m'étais pesé parce que j'en pouvais plus, j'avais peur, du coup j'avais fait de la merde. Au final, j'avais moins 5 kilos. Donc je suis parti de 75 kilos. La dernière fois, j'étais à 70 kilos à la moitié de la transformation, donc j'avais perdu 5 kilos. Et là, du coup, j'espère de tout cœur m'approcher le plus possible des 65 kilos, qui est mon poids de forme. Ah, mais c'est mon poids de forme. Au revoir. Bon, attendez. Du coup, je filme pas mes couilles, s'il te plaît. Filme direct la balance. 67. 30. Wow. Et attends, en plus t'as le t-shirt. J'ai mon t-shirt et mes chaussettes, hein. Normalement c'est à poil, hein, mais bon. 67 on va dire. Ouais, 67 kilos. Ça fait que t'as perdu 69, 70, bah 8 kilos. Waouh. 8 kilos, je suis content, mais j'aurais bien aimé arriver à 65 kilos, parce que l'année dernière, il y a 2 ans quand j'avais fait Wolf, rappelez-vous avec ce physique-là, là, je faisais 61 kilos. Bon, le plus important, vous savez très bien c'est quoi? La balance, on n'a rien à foutre, le plus important c'est le visuel. Donc peut-être que j'ai pris de la masse musculaire, donc c'est pour ça que je pèse plus lourd. Peut-être que, voilà, peut-être qu'en grandissant, mes os ont été plus lourds, enfin on sait pas. Donc on va regarder dans le miroir tout de suite ce que ça donne. Je vais mettre mon short, parce que sinon vous allez voir mes couilles. Et là directement après on va aller faire du coup les photos pour la vidéo de transformation. La vidéo de transformation sort là, vous êtes actuellement mercredi, ok. La vidéo de transformation sort ce vendredi là. Donc abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, mettez la cloche, elle sort vendredi. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Bon allez, du coup j'enlève le t-shirt. Ça fait 28 jours que j'ai pas vu mon physique. Bon allez, c'est parti. Ah, j'ai bien séché, je suis choqué. De ouf. Alors attendez, je vous coupe. Avant d'arriver à la fin de la vidéo, je tiens absolument à vous donner mes opinions par rapport à ce challenge. Est-ce que je recommande de pas se regarder dans le miroir pendant une transformation physique, un régime ou quelque chose d'autre? Ou est-ce que justement, je vous le décommande de faire ça? Alors c'est vrai que je suis un peu dubitatif parce que sans regarder son physique pendant 28 jours, à la fin, on a vraiment l'évolution. On a vraiment un choc. Mais aussi, c'est vrai que ça peut créer une frustration parce qu'on se demande, est-ce qu'on change physiquement? Est-ce que ce qu'on fait, ça marche ou pas? Et du coup, on a envie limite d'abandonner parce qu'on ne sait même pas si ça marche ou pas. Donc, je suis un peu sur les deux, mais franchement, essayez parce que c'est une super bonne expérience quand vous voulez changer physiquement. Ça fait un choc à la fin parce que vous êtes choqué, parce que vous n'êtes pas vu depuis 28 jours.
et vous savez pas du tout à quoi vous attendre. Et du coup, c'est vrai que ça peut créer des frustrations dans le sens où bah vous pensez que ça allait être encore mieux, ou peut-être justement à l'inverse, vous pensez que ça allait être moins bien que ça, vous êtes vraiment fier de vous. Donc franchement, testez-le, et moi j'ai adoré le faire, franchement c'était plutôt cool. Mais voilà, si jamais vous voulez que je le fasse avec mon visage, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, vendredi, la vidéo sur la transformation physique qui va être incroyable. Alors voilà, bon, Sarah, j'ai le t-shirt à l'envers. Vous, je suis désolé, je vous ai mis écran noir, vous avez pas vu le résultat. Pourquoi ? Parce que je veux absolument que vous voyez la vidéo de la transformation finale, vraiment. En plus, je vous ai fait une petite vidéo motivation, enfin, je l'ai pas encore fait, mais je vais la faire. Donc, rendez-vous vendredi pour voir vraiment le physique actuel que j'ai. Désolé, depuis le début de la vidéo, vous attendiez que ça, mais malheureusement, bah, faut attendre vendredi, je vous laisse encore la surprise. Donc, rendez-vous vendredi pour voir du coup mon physique, à quoi il ressemble. Voilà. T'as dit quoi ? La coupe, ça va pas du tout. La coupe, ça va pas du tout ? Non. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse par rapport au miroir ou d'autres concepts avec le miroir ou sans regarder des trucs, je sais pas, comme vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao la team. Rendez-vous à vendredi, hein, n'oubliez pas. Hein. Bisous. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de masse.